salut, je m'appelle Lorca. Ma spécialité, c'est de faire des sculptures dans la rue en utilisant les encombrants. My name is Tuwan. I'm originally from Japan, but now live in Berlin, about to move to Italy soon. Moi, je m'appelle Rouge. C'est le nom que je me suis choisi quand j'ai commencé à travailler dans l'espace public il y a maintenant une dizaine d'années. Je suis peintre et je travaille avec et dans la rue et en atelier. Je m'appelle Jamie Soubert. Je viens du Yémen. Aujourd'hui, je fais un témoignage sur le printemps arabe. C'est des photos prises entre 2011 et 2012 au Yémen et en Égypte. Marco, 9-3. Je viens de Saint-Denis. J'ai grandi à Saint-Denis. Et je peins dans le monde entier. Moi, c'est Kat. Et moi, c'est Action. Je m'appelle Antoine, donc le nom d'artiste, c'est Lem. J'ai toujours eu un atelier dans un rayon de 2-3 km autour d'ici. Du coup, c'était assez rigolo quand le collectif m'a proposé ce mur-là dans ce parc que je situais plutôt bien. On nous a donné l'occasion de peindre à l'entrée de Saint-Maurice. Nous, notre collectif, il représente un peu le Croussa de Momo. On vient tous de Saint-Maurice. Et on a voulu montrer un peu notre univers, tout ce que le crew représente, des endroits du quartier. Donc tu peux avoir le Beffroi pour Lille. On adore le carnaval de Dunkerque. On a fait une casse-tête pour ça. On a fait pas mal de mémoires pour Arthur, des hommages, tech. Et voilà quoi, c'était un plaisir de peindre ça en équipe. Pour Lille, là, j'ai choisi de bosser. Bon, j'avais une carte blanche, ce qui est toujours réjouissant. Enfin, j'ai envie d'aller piocher dans une série à moi qui s'appelle Hold Your Own, qui est une série dans laquelle j'invite des modèles à mon atelier à venir tenir des bouquets de fleurs de manière encombrée et maladroite. Et en fait, c'est un petit jeu voilà, par rapport à l'image romantique d'une personne qui va tenir un bouquet. C'est juste un tout petit décalage. C'est un autre truc de mon taf en fait, j'essaye d'aller chercher dans des registres assez classiques, portrait, nature morte, posture de main, études académiques, mais de décaler très légèrement le geste et de voir ce que ça peut raconter. Juste en décalant la manière dont les mains portent, on arrive à plusieurs histoires. En fait, pour moi, il y a cette histoire de faire d'une parure quelque chose de finalement encombrant, avec lequel on ne sait pas trop se démerder. Il y a le fait de se protéger avec quelque chose d'extrêmement vulnérable qui est le bouquet. Donc il y a cette idée de faire d'une vulnérabilité une force. Il y a cette idée de revendiquer un droit à la beauté, au romantisme. Après, je sais pas ce que les gens vont se raconter. Ce matin, il y avait une nana qui me disait « Ah, c'est une allégorie du printemps, ça me va très bien. » Dans les pays de printemps arabe, c'est pas forcément la joie. C'est transformé en guerre dans plusieurs pays, malheureusement. Mais c'est un témoignage qui dit qu'il y a toujours l'espoir. Et c'était un moment très, très, très fort pour moi et pour des millions de personnes contre des systèmes, contre des dictateurs qui étaient là de plus de 33 ans, 40 ans, comme en Libye, le Yémen, l'Égypte, la Tunisie. Et donc les graffitis entre l'Égypte et le Yémen, l'Égypte, on voit que c'était un travail très professionnel. Le Yémen, c'était la naissance plutôt, la naissance des graffitis. Et on le voit sur les torses d'un gamin, on le voit que c'est juste des phrases sur le mur. Ce petit gamin là, qui s'appelle Trombone Shorty, aujourd'hui il a 35-40 ans, c'est un virtuose. Et il a commencé à jouer du trombone à l'âge de 6 ans. Et en fait il n'arrivait pas à jouer toutes les notes, parce qu'un trombone c'est un grand instrument où il faut déplier. Et donc les anciens l'ont appelé Trombone Shorty, voilà. Trombone trop court pour le trombone quoi. Ça a changé sa vie quoi en fait, tu vois. Et donc voilà, c'est important que voilà, les petits c'est des éponges. Et c'est important de leur ramener des trucs bien. Quand on voit tout ce qui est abandonné dehors, moi je me dis mais c'est fou toute cette matière qui est en extérieur qui me permet moi avec deux bombes de peinture et pas mal de patience d'ériger des sculptures qui vont faire 3 mètres cubes sur le trottoir quoi. Et d'un coup il y a aussi ce rapport qu'on n'évoque pas assez souvent, mais le rapport à la légalité aussi, c'est-à-dire que d'un coup je me défais de l'illégalité, c'est-à-dire que je peux poser en plein jour et il n'y a plus cette contrainte justement de demande d'autorisation ou de cette nécessité d'avoir affaire à l'autorité. Même si le street art a tendance à se démocratiser et que c'est de plus en plus connu, quand les artistes posent seuls dans la rue hors du cadre d'un festival,
quand on a une bombe à la main, on est rarement bien accueilli, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément encore bien perçu par le grand public en tant que tel, quoi. For the inspiration, especially for a mural project, and when process allows me to do so, I normally take inspiration from surroundings, natures, history, and conversation from people. I only use the white and also this blue. It's kind of reminds me of, and a lot of people say it also, it's kind of reminds them of porcelain, traditional porcelain blue. On est à ce qu'on appelle le Square Le Mans, et en fait, pour la petite anecdote, c'était le parc où venait jouer ma mère avec ses frères et sœurs quand elle était petite. Elle habitait juste la rue au-dessus, ils n'avaient pas de jardin. Donc du coup, c'est assez sympa de se retrouver à peindre un mur pérenne au cœur du parc. Je reprends des motifs que j'utilise pas mal dans mes travaux. C'est un peu des lignes d'horizon d'ici, donc du coup de mon pays natal, avec les architectures des usines, des sortes de paysages d'enfance finalement, parce que j'ai grandi ici. Du coup, je trouvais que ça s'y prêtait bien en aplat et de faire quelque chose de très coloré comme on est au cœur d'un parc. J'ai pas hésité à mettre des couleurs vives. On prend des animaux, parce que c'est un terrain assez neutre pour bien s'entendre, et puis il faut avouer quand même que la nature elle fait ça bien, c'est super joli. On va finir par les voir plus que sur les murs, donc c'est un petit rappel aussi. Et pourquoi tel ou animal? Ben c'est soit par rapport à l'endroit où on peint. Ici, alors bah, tout simplement parce que c'est un hommage à la peinture qu'il y avait avant sur ce mur. C'était un échassier, donc on a trouvé ça sympa de faire un petit clin d'œil vu que c'était la première peinture du collectif. Et pour celle de Lillère, un renard, ben je sais pas. Voilà. Pourquoi un renard avec... Quand je fais un trait, je ne pense pas au trait que je suis en train de faire. Je pense au trait qui va arriver après. Et quelquefois, ça coïncide avec un son. J'essaye pas d'illustrer un son. Je peins et à un moment, il y a un son qui va me déclencher, quoi, et ça devient instinctif. De toute façon, la calligraphie, c'est beaucoup... Il y a un rapport avec le corps et la respiration, tu vois. C'est du rythme aussi. Donc voilà, quand je fais du light, tu vois, il y a une position, il y a une espèce de danse quelque part, quoi. Je pense que si on peint aussi dans la rue et pas que en atelier, c'est aussi parce que ça nous permet d'être en contact direct avec un public, et un public super honnête en fait. On n'est pas du tout dans un contexte où on intimide les gens par une institution qui est le musée, où on leur dit il va falloir que tu te comportes comme si tu étais érudit. Enfin, il n'y a pas tout ce cachet-là. En fait, on a des rencontres qui sont immédiates et qui sont super honnêtes, et on est exposé et aux compliments et à la critique directe. Et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, ouais. Toucher un public qui n'a pas forcément l'habitude de pousser la porte d'une institution et qui nous rentre dedans, quoi. Et moi j'aime ça. Il y a une phrase, c'est la graffiti, où il dit, je vais essayer de traduire et de respecter parce que c'est poétique. Et en français c'est un peu dur à le dire, mais qui dit, oh qu'est-ce qu'il est dur le mur. Quand elle monte en face, le lever du soleil. Peut-être qu'on passera toute nos vies à percer un trou pour que la lumière passe un jour pour les générations à suivre. Là, on a réussi à s'organiser tous ensemble et pour essayer de faire un truc cohérent. C'est ça l'important, et que ça fasse plaisir aux gens du quartier aussi. Toute la journée, les gens ils disaient que c'était cool, passaient, ils aimaient bien voir des couleurs.
Et tous les soirs, ça finissait en apéro. C'est totalement local. C'est locavore à mort. Je suis l'ésotérisme, il est les mathématiques, on s'y porte bien. On est même mariés depuis 3 semaines. Voilà. Demandant mariage sur la nacelle devant notre peinture, un vrai mariage de pain. Demandant mariage de pain. Je crois en un truc, c'est les astres. Dans la vie, t'as des étoiles qui s'alignent, tu vois, faut réaliser ses rêves. Alors des fois, tu vas à gauche, tu vas à droite, mais il y a des moments où tu vois, il y a des choses qui s'alignent. Je te jure, ça, j'y crois. Mes étoiles, elles s'alignent. J'en ai aligné quelques-unes et je réalise mes rêves. Voilà.